Salut tout le monde, c'est Gecko pour une petite vidéo qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire. Alors, je pense pouvoir dire que j'ai trouvé le troisième atout permanent qui a été mis avec Buried. C'est le PhD Flopper. Et donc, oui, je me permets de dire que j'ai trouvé parce qu'en fait, j'ai découvert les quelques minutes, 5-6 minutes après que la map soit sortie, quoi. J'ai téléchargé, j'ai lancé et j'ai trouvé ça. Alors pour l'avoir, j'ai trouvé comment l'avoir et comment le perdre. Alors pour l'avoir, vous mettez en haut d'un truc comme ça, vous sautez. Vous allez faire une dizaine de sauts. Vous sautez sans plonger, hein. Et quand vous sautez, il faut que sur votre écran, ça soit un peu rouge. Enfin, vous soyez un peu blessé par le saut. Donc je devrais pas être loin du compte. Allez, assez long quand on regarde comme ça. Ouais, une dizaine, peut-être petite quinzaine de sauts à faire, quoi. Ah voilà, donc là vous avez vu la lumière verte. Le PhD Flopper est activé. Alors je vais vous faire montrer. Voilà. Et donc cet atout vous perdez quand vous faites un saut. Une fois que vous l'avez, si vous faites un saut que vous ne plongez pas, vous perdez. Donc voilà, j'espère et je pense que cette petite vidéo astuce va vous plaire. N'oubliez pas le petit j'aime et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos astuces. Ciao les gens.